Yves Cotten, bonjour. Bonjour. Ravi de vous voir ici. Est-ce que vous voulez nous présenter vos ouvrages, s'il vous plaît? Oui, alors là, il s'agit de la série qui s'appelle Le Quatuor à cornes. Donc, ce sont 8 histoires pour l'instant qui mettent en scène un petit troupeau de vaches. Oui. Et voilà, elles sont. Sur chaque histoire, en découverte de quelque chose de nouveau pour elle. Et donc dans le dernier album, en fait, qui s'appelle En Liberté, elles font la connaissance de 4 animaux qu'elles n'ont encore jamais vus, qui se sont échappés d'un cirque. D'accord. Voilà. Donc chaque animal vient d'un continent différent. Et ces 4 animaux sont particulièrement stressés parce qu'ils sont poursuivis par le camion cage du cirque. D'accord. Pour les récupérer. Donc leur mission va être d'aider les 4 animaux du cirque à se cacher pour échapper au camion cage. Voilà. Et donc toute l'histoire va consister à aider ces 4 animaux du cirque. Garder leur liberté. Donc chaque animal du cirque vient d'un continent différent. Il y a donc un kangourou, de plus petit au plus grand, un kangourou, un lama, un chameau et un éléphant. Donc un éléphant, c'est pas facile à planquer, mais enfin bon, elles vont y arriver. En fin de compte, si on en fait une image, c'est une manière de garder sa liberté, oui. Quel que soit le continent d'où on vient. Oui, tout à fait. Et c'est aussi un petit message pour dire que les animaux n'ont sans doute pas leur place dans un cirque, mais sont plutôt plus à l'aise dans leur peau d'animaux, en liberté, plutôt que dans un cirque. Bien sûr. Et donc, en fait, ce sont des animaux qui cherchent à redevenir des animaux. Finalement, c'est un peu l'idée du dernier album. Très bien. Voilà. Je vous remercie, Yves Cotten. De rien. Merci. À bientôt.